Nous sommes au congrès de la FNAIM. Bienvenue à Fadi El Cheikh sur le plateau d'Expression. Merci. Vous êtes directeur commercial chez Verspiren Immobilier. Tout à fait. Qu'est-ce que représente aujourd'hui l'immobilier chez Verspiren? Déjà en premier, merci de m'accueillir, Alexandra. Verspiren Immobilier est une branche assez intéressante au cœur des branches de Verspiren. Donc Verspiren Immobilier dépend de la DASC, la Direction des Activités Sectorielles et de la Construction. Verspiren Immobilier, c'est 7000 clients qui travaillent sur les secteurs de l'immobilier. C'est une clientèle qui est assez variée, assez large au sens du terme. C'est des administrateurs de biens, c'est des syndics de copropriété, c'est des transactionnaires, c'est des agents co, c'est même un syndic bénévole. Donc les métiers d'immobilier chez Verspiren, c'est toute cette population sur laquelle nous intervenons au quotidien. Alors aujourd'hui, quelle est votre clientèle? Que représente votre clientèle aujourd'hui pour Verspiren? Donc ces 7000 clients aujourd'hui chez Verspiren Immobilier sont accompagnés au quotidien sur 5 métiers essentiellement, ou 5 branches de produits essentiellement. On les accompagne en garantie financière, en responsabilité civile professionnelle, en multirisque travaux, donc en dommages ouvrages, loyer impayé, la GLI et la garantie GLI, en multirisque immeuble. Donc 5 branches métiers qui couvrent l'ensemble des métiers sur lesquels interviennent ou ont des besoins nos clients. Bien évidemment, il y a les produits annexes qui viennent se juxtaposer à ces produits, à savoir les charges impayées, la protection juridique, la PNO, la cybersécurité hein, qui est d'actualité et qui aujourd'hui est un produit phare au vu de l'évolution technologique et des nouvelles menaces qui se créent. Et bien évidemment, on peut les accompagner sur la multirisque bureau, sur de l'habitation, tout ce qui cogite, tout ce qui tourne au métier, autour des métiers de l'immobilier. Et alors aujourd'hui, vous êtes présent au congrès de la FNAIM. Qu'est-ce que ça vous apporte, une présence dans un tel rendez-vous? Être présent au congrès de la FNAIM, c'est un, rencontrer nos clients. Les clients qui viennent tout au long du pays, hein, de partout en France, de toute la métropole, pour rencontrer nos équipes. Il faut rappeler aussi que dans ces branches que j'ai citées tout à l'heure, on a des métiers qui sont animés au quotidien par des experts, avec des délégations de souscription, des délégations de gestion, des délégations de gestion de sinistre. Un administrateur de biens, un syndic, un agent co, quand il a une demande chez Verspiren, il a en face de lui une équipe d'experts qui l'accompagne de A à Z. Au congrès FNAIM, de la FNAIM, tous ces clients qui sont là pour rencontrer nos chargés clientèles qui sont présents sur toute la métropole. Donc l'Île-de-France est là pour animer toute la partie Île-de-France dont je suis directeur commercial. Mais nous sommes aussi présents dans la région parce qu'on a le bureau nantais, on a un bureau à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, dans l'Est et dans le Nord. Donc l'ensemble de notre clientèle France entière est accompagnée. Et aujourd'hui, on a des représentants de toutes les régions et de tous les métiers qui sont sur le stand. Un administrateur de biens, un agent co qui est sur le stand, peut trouver son interlocuteur au quotidien sur le stand de la FNAIM à Paris. Ok. C'est bientôt la fin de l'année 2021. 2022 se profile. Quels sont les objectifs pour Verspiren Immobilier pour 2022, peut-être même un peu plus loin? Les objectifs de Verspiren Immobilier en 2022, bien évidemment, en premier, c'est des objectifs financiers, de progression financière sur l'ensemble des métiers que j'ai cités tout à l'heure. Ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est accompagner nos clients sur le digital. Aujourd'hui, le digital est un créneau incontournable. Donc, nous avons développé certaines solutions en digital, en web service, en API, en développement pour accompagner nos clients. Et bien évidemment, réconforter nos positions chez les clients existants et certainement aller à la conquête de nouveaux clients, de nouveaux prospects pour se confirmer encore une fois Verspiren comme un courtier familial indépendant, premier courtier indépendant en France. Merci beaucoup. Merci Fadi El Cheikh d'avoir participé à cette interview et d'avoir répondu aux questions d'Expression. Excellent congrès à vous et à bientôt. Merci Expression, merci Alexandra et à bientôt.